Les contre-ténors étaient les stars de l'opéra baroque. Ils ont longtemps disparu de la scène. Mais depuis quelques années, on entend de nouveau ces voix d'hommes aigus. Certains contre-ténors sont des stars du classique, comme Philippe Jaroussky. Notre prochain invité a fait fureur dans un opéra de Handel en 2007. Il fait ses débuts à Salzbourg en 2009 sous la direction de Riccardo Muti. Il vient d'obtenir le prix allemand Echo Classique. Voici le contre-ténor Valère Barna Sabadus qui interprète l'air de Sextus extrait de la Clémence de Titus de Mozart. Thank you.
Bravo. Merci. Valère. Oui. Tu étais ténor ou baryton avant? J'étais ténor. Combien d'années? Jusqu'à mes 17 ans. 17 ans, d'accord. Avant Mamu, je chantais comme soprano. Tu chantais déjà enfant? Oui. Après Mamu, j'ai chanté dans le registre de ténor, et puis j'ai découvert cette voix aiguë. Tu l'as découverte seule, ou quelqu'un t'a suggéré de chanter en voix de tête? Voici le prochain contre-ténor. C'est ma mère qui l'a découverte. On regardait une émission avec Andreas Scholl à la télé. J'ai essayé de l'imiter, c'était assez naturel pour moi. Ma mère m'a demandé, assez irritée, comment je réussissais à faire ça. Je lui ai dit que c'était facile, que je chantais comme ça sous la douche. Ça me venait spontanément, avec toute cette humidité. Ma mère est pianiste, alors elle m'a attrapé et m'a emmené au piano, où on a essayé tous les morceaux possibles et imaginables. À partir de là, j'ai chanté comme soprano. Il y a quelque chose que je voudrais vous demander. Vous avez une pureté incroyable quand vous chantez. Ce n'est pas commun. Vous savez, j'ai beaucoup chanté le rôle de Vitellia. Je connais très bien les parties des voix mezzo. Mais vous, vous avez une pureté exemplaire. Est-ce que vous vous représentez la note avant de la chanter? Oui. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Il faut du temps pour atteindre les notes hautes. C'est fabuleux ce que vous faites. Fabuleux. Merci beaucoup. Normalement, Sextus est un rôle pour mezzo-soprane. Pourquoi le chantes-tu? Comment choisis-tu ton répertoire? On oublie souvent que la partie de Sextus a été composée en fait pour un castrat. Oui, c'est bien plus naturel comme cela. Vous changez de costume, vous êtes Sextus. Tout simplement. Tu as déjà chanté toute la partie de Sextus? Je l'ai chanté deux fois à Mannheim, durant les étés Mozart 2010 et 2012. J'étais ravi de chanter toute la partie, parce qu'on connaît surtout les deux airs, mais pas l'ensemble. C'est une véritable performance physique et psychologique pour un chanteur d'en venir à bout. Je pense que Mozart aurait été ravi d'avoir un Sextus comme toi. Absolument, c'est vrai. Bravo, bravo. Merci.